Yo tout le monde. Ah ouais, ça va être dur. Voilà, vous allez pouvoir entendre. Ok, payant, non, gratuit. Il est gratuit. Il est gratuit sur Steam. Bon, let's go. On est chaud. On est chaud. Ah, moi, je suis pas chaud du tout. Il fait chaud chez moi, mais moi, je suis pas chaud. Bon, allez, let's go. Ready. Ok. Vas-y. Oh, vas-y. Oh, tu m'aides, hein. Oh, le libraire, tu m'aides bien. Non mais je vais prendre, attends, je vais juste me prendre des glaçons, les mettre sur mon cerveau. Ok, je l'entends plus, c'est normal. J'arrive, je l'installe. Je crois qu'il se joue que à deux, Fliz. Mais t'inquiète, on fera des games ensemble et tout. Ça charge. Ça va être marrant. Waiting sur. Ok, faut que je l'attende lui. Ah, oh, tu m'entends? Ah, il m'entend pas encore. Bon. Je viens ça, mais je joue pas au jeu pour que je puisse admirer le gameplay. Vas-y, vas-y, tranquille. Tranquille, fille. Je sens que ça va être une galère. Alors déjà, que lui et moi, ça va être marrant, hein, on va dire. On va essayer de se comprendre. Donc moi, je suis l'explorateur et lui, c'est le libraire. Donc c'est à mon avis, c'est lui qui va me donner les infos. Paye tes infos que je vais recevoir. En plus, il prend pas trop de ressources, à ce que j'ai vu en termes graphiques. Donc ça va, c'est cool. Ah, oh, tu m'entends? Ah, si tu m'entends, t'appuies sur V. Hein. Ah, d'accord, il pouvait pas m'entendre. Ah, tu m'entends? Ouais, tu m'entends, toi? Tu m'entends, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Putain, bon, là je peux pas bouger. Appuie sur W. Tank. Ailleurs, je vais l'entendre râler parce que c'est W. Faut que je trouve un moyen là, faut que je change les touches, les gars. Attends, bouge pas, je vais changer mes touches. Du moins, je vais essayer. Je peux pas. Alors, c'est bizarre, moi je ne peux vraiment pas bouger en fait. Genre mes touches, c'est bizarre, alors, je peux pas bouger. Oh non, c'est WASD. Oh la merde. Ah ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ça commence, je vous dis tout de suite. Bah, attends, je vais chercher ma manette du coup. Parce que là, ça va être la mort. Oh, moi je vais essayer de m'y faire. Oh là là, oh j'ai... Bon. Combien de chances je reste bloqué, je meurs. Tu peux pas en switch Discord parce que moi je t'entends pas de ouf avec le Tokimoki là. Ah moi je t'entends fort et clair. Un peu trop à mon goût mais je t'entends fort et clair. Ok. Bah moi je t'entends très bien aussi mais c'est ok. Bah attends, je cherchais ma manette parce que je peux pas bouger du coup c'est ton gars là. Vas-y.
Yo Lélé, comment ça va? Désolé les gars, va chercher sa petite manette. Je sens qu'en plein milieu de game, je vais faire la même chose. Je vais sortir la manette. Comment ça va, Lélé? Ça va nickel. Tu vas mourir. Ouais, je vais mourir, c'est sûr et certain. Mais ça sera de sa faute, hein. Oh, si je meurs, c'est de sa faute. C'est qu'il m'aura pas donné les bonnes infos. Je vous le dis tout de suite, hein. Moi, je suis quelqu'un de réglo. Enfin, ça dépend. Ok, graphiquement, ça va. Bon, après, je l'ai pas mis en high. Là, les graphismes, mais ça passe. Ça passe tranquille. Je suis de retour, chef. Ah nickel, forêt claire, tu m'as tué les oreilles, enfoiré. En fin de J'ai essayé de faire soirée. un effet de style, mais ça n'a pas marché. Ah ouais, là tu m'as tué. En fin de soirée, tu vas faire. Ça te dit un peu plus. Ouais, on fera ça, Fliz, on fera ça. Ne vous inquiétez pas. Alors comment ça se passe le live là? Bon, vas-y, dis-moi là, si t'as quelque chose ou pas. Moi, j'ai des inscriptions sur un mur, bah, plutôt des hiéroglyphes, des runes, je sais pas trop. Mort de rire, les excuses, on connaît. Ben ouais, faut trouver des excuses directes, les gars, vous savez pas. Alors, moi j'ai des leviers à certains endroits. Ok, t'as quoi? T'as des inscriptions au-dessus du levier? Déjà, première énigme, on va passer 2 heures, les gars, 2 heures. Non, rien du tout, juste il est une sorte de lueur blanche dessus. Ouais, si tu actives le levier, ça fait quoi? Tu l'as activé, ça t'a fait un truc, toi? Moi, je peux interagir avec les runes là. Je peux sélectionner des runes. Donc, il faudrait que tu cherches peut-être je sais pas, un bouquin ou des trucs marqués sur les murs et me dire à quoi ça correspond. Alors, moi là, j'ai un livre avec marqué Between the Eyes, qui veut dire entre les yeux. Alors, je sais pas si ça va t'aider. Non. Est-ce qu'il y a des runes sur. Sur le livre ou pas? Ou t'as qu'un seul livre ou il y a plusieurs livres? 1 heure plus tard, mais putain, Non, non, il n'y a rien d'autre, mais c'est là, j'en ai trouvé un autre. J'arrive pas à vraiment à interagir avec, c'est trop bizarre. Non, ça va pas me casser les couilles. C'est lui qui va me casser C'est lui qui va me casser les couilles. Il va me dire non, non, c'est pas ça, non. Non, non, c'est pas. Mon avis, ça là, faut avec ça. Merde, il est où? Là. Faut que j'interagisse. Oh, j'ai entendu un bruit. Non, 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 tu dis rien, Lélé. C'est à lui de trouver, en fait. Alors, j'ai trouvé un plan. Alors, je suppose que c'est où t'es. En haut, t'as des leviers, je suppose, t'as des leviers verts, des leviers sûrement bleus et rouges. Et en gros, bah, je vois les portes que ça ouvre aux endroits. Non, non, merde. Non, non, moi j'ai pas de levier. Je t'ai dit, j'ai juste les runes. Et à mon avis, il faut que j'active certaines runes pour ouvrir la porte et pour aller peut-être dans la salle que tu me parles. Sur les bouquins, il n'y a rien de marqué. Il y a.
Y a rien quoi, tu vois pas des sortes de runes ou de hiéroglyphes qui pourraient m'indiquer comment ouvrir. Demande-lui s'il n'y a pas un mot pour que tu écrives sur le mur. Bah, du coup j'ai trouvé, j'en ai trouvé un. J'ai trouvé un livre avec des symboles dessus. Vas-y, décris-moi les symboles. Alors, il y en a un, il ressemble à un chat. Le deuxième, alors on va clairement le dire, à une sorte de pénis, hein, finalement. Le troisième, je peux pas trop te le décrire. Le quatrième, c'est une sorte de chandelle avec trois bougies. Et le quatrième, c'est une sorte de barque avec une maison dessus. Ok, donc le premier c'est un, on va dire un, une des oreilles de chat, c'est ça tu m'as dit, hein? C'est ça, c'est ça. Ok. Le deuxième, il était facile à retenir. Non, c'est pas ça, hein. Moi j'ai cliqué. J'ai cliqué sur ta tête de chat là, et sur ton sur tes parties sur les parties intimes que tu as décrit, ça a rien fait. T'as pas un autre livre pour qui aurait des inscriptions aussi? Une forme de quoi? Ouais, vous avez bien compris les gars, vous avez bien compris ce qu'il a dit. Ouais, j'en ai trouvé un autre là. Vas-y, décris. Franchement, ça prend la tête Ok, le. alors j'en ai un où il y a écrit un texte dessus. Une sorte de texte dessus, je pense que ça peut t'aider. Vas-y, dis-moi. Alors c'est en anglais, donc excuse-moi si la traduction n'est pas parfaite. Avant qu'il n'y en ait un à l'ouest, fais un pas tout droit dans le mur à l'est. Et après tu continues en faisant deux pas vers le nord. Tu fais deux pas en allant pareil sur le mur est. Et normalement t'es censé aller sur le mur ouest. Ouais, non, mais attends, mais ça veut rien dire, c'est trop bizarre. Ok. Non, mais moi je suis sûr il y a un truc là. Faut que j'ouvre cette porte là. Mais faut trouver la combinaison pour ouvrir. Pour Je voir la cherche, je porte. cherche. Vas-y. Ok. Là, faut que je pense à appuyer sur V. Pour la partie. Alors, j'en ai un deuxième livre et en fait c'est exactement le même. Genre vraiment que je dis exactement le même, c'est littéralement le même. Ok, mais les runes là, faut me dire les runes. C'est les mêmes runes ou c'est des runes différentes? Comment ça, des runes? Des sortes de hiéroglyphes si tu préfères. Bah ouais, j'en ai. Ah non, attends, non, je dis que c'était le même, mais non, c'était pas le même en fait, attends. Je vais rester bloqué. Heureusement que je me fais pas poursuivre par un monstre. Je serais foutu au moins 50 fois, les gars. Je vais essayer de voir. Ouais, moi j'ai rien, hein. Moi sur un mur, j'ai marqué Another. Light. Je sais pas si ça peut t'aider. Je ne pense pas. Ok. Ok. Putain, je regarde mon clavier parce que j'ai vraiment pas l'habitude là de WS. Ok, alors je suis un énorme débile. Il y a vraiment une affiche. Alors en fait, il y a des yeux de différentes couleurs. Et à côté, il y a des sortes de hiéroglyphes sur les côtés. Ok.
Et en gros, les yeux, donc t'as des yeux bleus, t'as des yeux rouges, t'as des yeux verts, et c'est tout. Et en gros, chaque combinaison, ça fait une combinaison de signes. Ok, moi j'ai des poteaux avec deux yeux bleus. Alors, si t'as des poteaux avec deux yeux bleus, là du coup j'ai des signes qui correspondent. Alors, il y en a un, c'est une sorte de toboggan avec un T avec un T dedans, et l'autre c'est je sais pas comment te le dire. En gros, t'as une barre et t'as un 3 à l'envers dessus. Moi je pensais pas à ça quand j'ai vu le truc. Ok. Ah ok. Nice, merci de m'avoir permis d'ouvrir la porte. Je sais, je suis trop fort, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, après 3 quarts d'heure. On va pas en parler. Ok, moi je suis passé dans une autre pièce, j'ai on va dire une cigogne avec une carapace d'escargot sur un mur. Et j'ai encore des runes sur un tableau. D'accord, et t'as que ça? T'as rien d'autre? Ah ouais, j'ai que ça. Hein. J'ai que ça. Autrement, j'ai une sorte de rose des vents posée par terre sur un tapis là. Mais c'est peut-être de la décoration, je sais pas. Alors j'ai exactement pareil que toi dans la salle qui était ouverte, donc du coup répète-moi elle est comment, enfin t'as quoi sur... J'ai une cigogne avec une carapace d'escargot. Mais c'est quoi ces tableaux là? Ça vaut combien un tableau comme ça? Ça vaut 2 euros, 3, 4? Ok, alors en gros je vais t'expliquer, moi j'avais plein 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 de tableaux. Donc là j'ai trouvé le tien, donc la cigogne avec la carapace, et en dessous j'ai des signes qui correspondent. Ok, vas-y, donne-moi les signes. Alors le premier, c'est comment t'expliquer? Ah, c'est compliqué à expliquer. En gros c'est comme un visage avec des carrés, genre t'as les yeux carrés et la bouche carrée. Le deuxième, c'est comme un ver de vin qui danse à moitié, genre avec des bras et des jambes. Et le troisième, c'est comme une balle genre de fusil, et dessus il y a un drapeau. Si ça peut t'aider. Nickel, nickel, nickel. Désolé, je parlais pas. J'ai ouvert la seconde porte. Voilà, c'est nickel ça. Par contre, là, je suis dans une pièce. Je sais pas trop. J'ai un escalier pour descendre. Je vais descendre l'escalier. Par contre, tu vas te grouiller, j'ai de l'eau qui monte. Bah, explique-moi ce qu'il y a. J'ai des caisses en bois, j'ai une table, j'ai des barils, j'ai des tuyaux, et j'ai rien d'autre. Et au-dessus de la porte, il y a marqué, je te dis ça, purple. Il y a juste marqué purple. Yes. Ah, je suis mort. On va tous mourir.
moi j'étais dans un endroit où il y a des tuyaux et en gros j'ai trois tuyaux, enfin j'ai trois couleurs. En gros j'en ai un bleu, un rouge et un jaune. Ok, coupe peut-être ceux qui pont rouge et jaune. Ça fait quoi rouge et jaune? Ah, je vais me noyer les gars, je vais me noyer. Le jaune ça fait orange. Hein. Et ben l'autre faut que ça fasse violet. Nice. Je connais mes couleurs, je suis trop fort. Ah, mais heureusement que je t'ai aidé. Tu m'as dit la couleur orange quand même. Hein. Ok, là j'arrive devant une grille. J'ai un levier blanc. Je peux l'activer, je vais l'activer, je vais voir ce que ça fait. T'as un truc de nouveau là dans ton truc? C'est bon, là je suis dans une sorte de labyrinthe. Donc c'est peut-être la carte que tu m'as parlé tout à l'heure. Donc il va falloir que tu me diriges pour savoir où je dois aller. Ok, alors essaie de pas trop bouger pour que je te repère dans le labyrinthe. Je bouge plus. Ça, c'est dommage qu'il live pas. Qu'il soit pas en live ou qu'il recorde pas le jeu. Ça aurait été bien et tout, j'aurais fait un montage et tout. Décris-moi l'endroit où t'es là. Là je suis devant le passage là où il y avait deux grilles avec un levier blanc et là je suis posé sur une rose des vents. Et j'ai un couloir à droite et un couloir à gauche. Celui de gauche il a des escaliers, celui à droite il n'y a pas d'escalier. Alors pour t'expliquer moi ma carte en gros c'est vue du dessus. Du coup je peux voir des tonneaux. Je peux voir des caisses, je peux voir des sortes de bancs ou je sais pas quoi. Et en fait, je vois les escaliers aussi. Du coup, il faudrait que tu me guides par rapport à ça. Ok, tu vois la porte d'entrée par où je suis rentré ou pas avec les deux grilles? Ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense savoir c'est laquelle, mais je suis pas certain. T'es monté par des escaliers? Je suis descendu par des escaliers, j'avais deux grilles avec un levier blanc. Et je suppose que tu avais un chemin à droite, un chemin à gauche et il y avait des escaliers à droite et à gauche. Juste à gauche les escaliers. Ok, je crois que j'ai trouvé. Ouais, putain, c'est galère. Faudrait que tu ailles dans une pièce et que tu me décrives ce qu'il y a dedans pour que je te retrouve. Ok, j'y vais, je suis parti. On part à gauche, hein. On va partir à gauche. On va essayer de trouver une pièce avec des caisses ou des tonneaux pour que je te repère. Ouais, là, je suis dans une pièce, j'ai des statues, j'ai une table et j'ai 1, 2, 3, 4 tonneaux qui sont avec moi. J'ai tourné sur. J'ai tourné sur ma gauche. Ok, alors je sais où t'es, bouge pas. Alors tu m'as dit une table et 4 tonneaux, c'est ça? Affirmatif. Rien d'autre? Et j'ai des statues à chaque sur chaque mur, c'est tout. Non, ça je m'en fous. Non, ok, bah je sais où t'es du coup. Alors normalement, t'as deux endroits avec. Enfin, t'as deux escaliers en haut. Yes, j'en ai un où je reviens là où j'étais, par où je suis rentré. Et j'en ai un autre où, à mon avis, je me dirige vers une autre pièce. Alors, du coup, là, je vois où t'es. Seul souci, c'est que en haut, tout à l'heure, je te dis que je voyais les leviers avec les portes, mais là, je les vois plus sur la carte. Alors, me demande pas pourquoi, je sais pas. Du coup, je sais pas trop où est-ce que je dois t'emmener.
tel est le problème, quoi. Vas-y, tu veux pas m'aider? Là, j'ai vu un truc passer qui rampait par terre. S'il te plaît. Non, je vais le laisser te fumer. Non, enfoiré, va. Et j'ai un tableau en face de moi avec un chien qui bave. Un escalier sur ma gauche et peut-être une autre pièce sur ma droite. Ah ouais, non mais ça fait bader. Là, je suis devant une grille avec une grille bleue. Bah, avec des. Ouais, avec des trucs bleus dessus. Ah ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je voyais la carte avec les leviers qui correspondaient avec les portes. Là, j'essaie de résoudre une sorte d'énigme, attends un peu. Ah, je vais me balader, hein. Je le sens pas, j'ai fait un truc. J'ai activé un levier bleu, je vais voir si ça a ouvert la grille avec les trucs bleus. Nice, ça a ouvert les grilles avec les deux points bleus. Donc je suis passé. Attends, il y a un truc que je comprends pas. En gros, j'ai une sorte de. Tu vois les. Comment dire? Les trucs pour les. Comment dire? Les pellicules, voilà, chercher quoi. Et ben en gros, je peux mettre une sur une caméra, mais ça ne veut pas. Et en gros, ça m'afficherait un truc sur un. Ah, ok. Fais voir. Ah, ouais, je... Oh, ça fait flipper, il y a des bruits de partout. Ok, là ça. Oh, dans 2 minutes, C'est je suis. trop bizarre, genre je me mets avec les pellicules dessus et ça veut pas la mettre, à chaque fois ça réapparaît devant la carte. Ok. Là, je vais voir. J'ai. Ok, je suis. Là, je suis revenu à mon point de départ. Suis perdu. Attends, est-ce qu'il faudrait pas que... Je me suis perdu. Quoi? Non, vas-y, je suis perdu. Ah non, c'est bon. Ok, là. Ça, nice. Ok. J'avais trouvé où là, le levier bleu là? Ah, je suis perdu. Aïe, je suis perdu, c'est foutu. Vas-y, toi, ouvre-toi là. Les deux gros bouffons. Ah, mais complet, attends, moi je suis pas...
Je suis passé là, j'essaye de. Tu m'as dit quoi? En gros, là, j'avais ma carte tout à l'heure avec les couleurs dessus, les couleurs des leviers, avec les couleurs des portes qui correspondaient. Genre, j'aurais pu te guider, mais là, je vois plus du tout les couleurs sur la carte. Je suis foutu. Ah, je suis foutu. Fait, il faudrait que j'arrive à retourner là où j'étais. Ok, c'est par là que je suis passé. Ok. Après par là, après c'est par là. Nice! Je suis revenu à mon point de départ. J'ai galéré à retrouver mon point de départ. Sorcier, tu vas mourir, c'est foutu. Arrête, dis-moi pas ça. De quoi, t'as dit quoi? Mort de rire, je me rends compte depuis tout à l'heure que je peux te parler, mais j'avais pas récupéré le Tokiwoki sur la table. Mais non, mais... Oh, abusé. Je devais crier très fort dans le château et tu m'entendais. Aïe. Il y a moyen, il y a moyen. Là, t'as pu récupérer tes couleurs ou pas du tout? Pas du tout. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit, j'essaie de résoudre un truc, mais ça ne veut pas en fait. T'as essayé de changer de pièce et de revenir? Peut-être qu'il faut réinitialiser le truc, je sais pas. Non? Bon alors les gars, j'espère que ça va, hein? Vous n'avez pas trop chaud chez vous? Ouais, se faire un petit café, hein, tant qu'il trouve. Mais je crois que ça... Je sais pas, mais je crois que ça change, non? À chaque jeu, je connais pas du tout, donc... Parce que... Et ouais, c'est je dis c'est bien parce que j'ai vraiment un truc qui ressemble à une pellicule. J'ai un truc pour pour regarder Bah sur ça un va, hein, écran. tranquille. J'ai une Hein. sorte de manivelle. Ouais, non, mais sur la carte que tu me disais, là où tu voyais les couleurs, là, y a pas... Si tu retournes sur ta carte, il y a les couleurs, elles sont pas revenir. Elles sont pas revenues, elles sont pas revenir. Non, ils sont pas revenus, genre depuis tout à l'heure j'essaie de faire des tours et tout, mais non, ils reviennent pas, il n'y a pas de couleur. Il y a le temps pour regarder un tuto sur YouTube. Mais non, faut le laisser galérer. Après, je sens que ça va être à moi de galérer. Donc... Et je pense que la solution ça vient de justement la pellicule qui était juste à côté de la carte. Je pense que si j'en vais la mettre, bah, ça m'affiche la carte avec les couleurs dessus. Ok, bah vas-y, je te laisse faire, tranquille. T'es pas dans la merde si tu me laisses faire. Mais après, je sais pas. Peut-être que si t'arrives pas à mettre la pellicule, c'est peut-être pas maintenant le truc, hein. Je sais pas. Ok, je suis le roi des bouffons. C'est bon, je l'ai. Reste appuyé, s'il te plaît, pour parler, parce que j'ai rien compris. J'ai dit ouais c'est bon je suis le roi des bouffons, j'ai réussi à la mettre. Maintenant en fait il me manque un deuxième truc pour activer la caméra en fait. Ok.
Ah mais moi je suis foutu là. Moi je suis foutu les gars. En fait, mon avis, là, ce que je pense, hein, c'est que là, je suis obligé d'aller activer Trop le... stressante la musique, putain, depuis tout à l'heure là. À mon avis, je suis obligé d'activer celui-ci. Donc, je vais le faire. Hop, je l'active. Je vais tourner à droite. Puis à gauche là, donc là ça a ouvert. Ok, bon, jusque là tout va bien. Là c'est encore ouvert. Ok, là j'ai une porte verte. Ok, là j'ai des escaliers. Là je peux passer, je peux monter. Ok. Là, il n'y a rien, c'est un cul-de-sac. Donc, on redescend les escaliers, on tourne là. On passe par là. Ah, non, j'ai cru. Ok, donc là, j'ai une pièce et j'essaie de faire le plan dans ma tête. Ok, là, d'accord, là il y a une chauve-souris. Ok, par là, là, il y a une autre pièce, non? Non, pas de pièce. Ok, donc là, il faudrait que j'arrive à trouver... La sortie, elle est là. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver le levier rouge. Si j'abaisse lui là, je repasse par là. Ouais, il me manque une pièce en fait pour le pour la caméra pour l'activer, j'ai l'impression. Ok. Ah, je me suis bloqué là. Problème étant que ça fait 4 fois que je fais le tour de mes pièces et que bah y a rien en fait. Ouais. Moi j'essaye de trouver là avec un levier rouge, j'essaye de trouver un levier rouge. Après, comme je te dis, ça, je pense que sans ma carte, tu pourras pas trop faire grand chose, quoi, parce que je pourrais carrément te guider. Si tu arrives sans la carte, t'es un boss, quoi. Les gars, dites-moi si vous voyez un levier rouge, hein, quelque part. Reste à la dernière pièce, c'est pour ça que tu te bloques, non? Ouais, c'est ça en fait. Dès que j'abaisse le levier vert, j'ai la Je sens grille bien qui que ouais, descend. j'ai énormément de livres. Je pense que ça servira pour plus tard, mais je vois pas quoi en fait. Putain, je suis revenu au même endroit. Ouais, je suis revenu au même endroit. Je suis con, hein. Ah, je suis con, hein. Là, il n'y a rien dedans. Là, de toute façon, il n'y a rien. Là, je suis obligé d'aller là. Ok, ici. Là-bas ou là-bas. Non, je vais partir ici. Ok, là je suis bloqué.
Ok, là je descends. Ok. Ok, je descends encore. Ah, vous savez quoi, les gars? Je vais prendre une feuille et un crayon. Ok, le levier bleu, il est là. On va refaire. Là, je vais. Là, à mon avis, je reste bloqué. Ouais, là, je suis bloqué. Ok. Je reste bloqué là, mais à mon avis, je peux aller. Je peux aller par là. Là-bas, il n'y a rien, c'est par là. Ok, la porte là elle est ouverte, ok, nickel. Là, on active le verre. Alors, on désactive le verre. On désactive le verre. Normalement là c'est ok, là c'est ouvert. Nickel. Là il n'y a rien. En fait là je me demande s'il n'y a pas eu un bug peut-être avec ma carte parce que vraiment j'ai cherché je ne sais pas combien de fois et j'ai l'impression que c'est juste parce que les couleurs s'affichent plus qu'on peut rien faire quoi. Tout à l'heure il y avait les couleurs, ça marchait bien, mais là. Je sais pas, même en changeant de pièce ou machin, ça revient pas. Je te dis, j'ai fait. Là, je dois avoir fait 5-6 fois le tour de toutes mes pièces. Et ouais, c'est juste bizarre quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Ok, fais une interaction avec avec un livre ou quelque chose. Ou quelque chose comme ça. Je passais par là. Il y a un truc, il y a un truc, j'ai loupé un truc, c'est obligé. Je vais voir si je vais. Ok, c'est bon, putain. Alors, ne me demande pas ce que j'ai fait, j'ai rien fait de spécial, mais les couleurs sont là, du coup, je vais pouvoir te guider. Ok, nickel. Attends, je vais juste revenir à mon point d'arrivée. Et comme ça, tu vas pouvoir me reguider correctement. Cherche juste une pièce avec des caisses ou quoi et je pourrais te retrouver. Tu vois les tableaux? Je vois que de haut la pièce et genre je vois juste s'il y a des tonneaux, des caisses, des tables ou des escaliers. Ok. Ouais, donc là je suis de retour sur la pièce que je te disais, la table et les quatre tonneaux. Ok, alors attends 2 secondes que je réfléchisse un peu parce que moi vu que j'ai le cerveau en retard par rapport aux autres, il faut que je mette un peu de temps à réfléchir. C'est compliqué. Ok, alors je vais te donner. Je vais te dire où aller, ok, faut que tu m'écoutes bien. Bah vas-y hein.
Donc là, tu m'as dit que tu es dans la salle avec les 4 tonneaux et une table. Du coup, normalement, si tu vas sur à la droite, t'as un escalier. Sur la droite, droite, droite. Mets-toi dos à la table. Et normalement, si tu te mets dos à la table, tu peux aller sur la droite. Yes, j'ai un escalier. J'ai même deux escaliers. J'en ai un en face et un sur ma droite. Alors, tu continues tout droit. Celui qui est. Comment dire en gros, normalement, tu as un escalier. Tu es censé avoir un chemin sur la droite, mais je pense qu'il doit être bloqué. Et après, en fait, tu continues et tu vas avoir un autre escalier sur la droite avec un levier bleu. En gros, tu vas au fond du couloir, plus ou moins. Et juste avant la fin du couloir, à droite, tu as un escalier. Non, non, attends. On va passer par là. Normalement, je te dis, si t'es bien enfin, depuis la salle et que tu te mets dos à la table, que tu vas à droite, t'as un escalier. Et après, donc t'as un chemin direct sur la droite, faut pas y aller, tu continues tout droit. Et après, sur la droite, t'as un escalier et là, t'as un levier bleu tout au fond de la salle. Ouais, j'ai trouvé ton levier bleu. Je l'active. Ouais, active-le. Là, je l'ai bien activé, là, Freeze. Là, je l'ai réactivé. Ok, il est activé après. Alors, grâce à ça, tu vas pouvoir atteindre un deuxième levier. Donc là, il va être un peu plus long le chemin, mais il faut bien que tu m'écoutes. Dis-moi juste gauche, droite. Merde. Dis-moi juste gauche, droite. Et si c'est il y a des escaliers ou pas, ce sera peut-être plus simple. Ok, alors, retourne à la salle avec les 4 tonneaux. Ok, j'y suis. Au lieu d'aller à droite, tu prends l'autre escalier que t'as pas pris tout à l'heure. Prends l'autre escalier et tu vas tout droit. Ok. Là, j'ai un croisement, j'ai un escalier sur ma gauche et j'ai un couloir qui fait gauche. Non, droite gauche. Comment? J'ai un escalier sur ma gauche. Et j'ai un couloir qui fait droite puis gauche. Tu vas par le couloir, va par le couloir. Ok, là je suis arrivé dans une salle. Alors je vais te dire, il y a 1, 2, 3, T'es 4. censé avoir 4 caisses. Yes. Ici, donc sur le mur, t'as un levier vert. Yes. Et bah tu l'actives. Ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, il faut que tu retournes au levier bleu. Ok, j'y vais. Heureusement que je me suis un peu baladé hein, dans le truc. Bon, je me suis quand même paumé la première fois, hein. Mais bon, ça on le dira pas. Ouais, je viens de réactiver ou de désactiver le levier bleu. Ok, parfait. Alors maintenant, tu sors de la salle et tu vas sur le couloir à droite. Normalement, tu as un chemin assez long et tu as un escalier qui va sur la gauche à un moment. Ouais, c'est ça. Ok, bah tu continues ce chemin jusqu'à ce que tu arrives dans une salle.
Ouais, je suis dans la salle là. J'ai pas de tonneau, j'ai rien du tout, j'ai que des statues. Ok, alors c'est normal. Normalement, donc en face de toi, quand t'arrives, t'as un escalier. Et bah, faut pas que t'y ailles, faut que t'ailles à droite. Normalement, t'as une salle avec des caisses et des tonneaux. Ok, je descends. Il y a un escalier qui, il y a un escalier hein, qu'il faut prendre hein, pour descendre, hein, pour aller dans cette salle, non? Ouais, y a un escalier. Ok. Donc là, t'as un levier rouge, tu l'actives. Ok, c'est bon, c'est activé. Ok, parfait. Maintenant, il faut que tu retournes au levier bleu. Ok, levier bleu, ok. Levier bleu. Oh, c'est une galère. Ok, je suis au levier bleu là, je le réactive. Ouais, tu le réactives, tu le réactives. Ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, si tu te souviens du chemin, il faut que tu retournes au levier vert. Ok. Je suis au levier vert, je veux le désactiver ou le réactiver, je sais pas dans quel sens ça marche. Ok, alors normalement, comment dire, à gauche du levier, t'as un couloir qui va tout droit, où justement t'as une barrière qui vient de se lever, et bah t'y vas. Et après, t'as un chemin sur la gauche qui est ouvert, et c'est l'accès vers la porte. Nice! Ah, il manquait juste le levier rouge! Affirmatif, c'est bon. C'est bon, mais par contre, ça a l'air de se peler le cul dehors là. Bah écoute, hein, c'est pas mon problème, hein. T'avais qu'à prendre une doudoune plus chaude. Hein. Ok, là, ce que je vois, j'ai. Je sors pas avant. J'ai un échiquier. J'ai un échiquier bah, classique. Pièce blanche et pièce noire. Il explique bien, Alexis. Ouais. Il a quand même mis trois quarts d'heure à me Ouais, trouver la bah solution. écoute, hein, je sais pas trop comment t'aider là. Je sais pas, là, il y aurait pas un. Je sais pas, il n'y a pas un jeu d'échecs quelque part où ça me ferait. Ça me dirait avancer quelle pièce ou sur les murs, je sais pas. Ouais, Alexis, ouais. Je regarde, je regarde, je regarde. Bon, les gars, de vous à moi, on peut aller boire un café avant qu'il me trouve la solution. J'espère Bon, on a juste m'en passé tellement sortir. facilement le truc avec le labyrinthe, il faut qu'on avait la carte quand même. Bah oui, effectivement, quand on a la carte et de bonnes instructions, ça va easy. Mais j'avoue, c'était Donc t'as une compliqué, hein. personne très intelligente avec toi qui t'explique parfaitement, forcément. Non mais ça va, prends pas la grosse tête non plus, hein. T'inquiète, t'inquiète. J'ai M Scorpix sur le live, il dit que tu expliques très bien. Je lui ai dit mort Ouais, c'est une pote, c'est une pote, c'est une pote qui est là. Mais de tu vois, même mes potes me disent que j'explique bien, tu vois, c'est qu'il y en a raison, quoi. Sors dehors, c'est fini, je crois. Non, franchement, attends. Je veux d'abord qu'il me trouve le truc là en forme d'échiquier T'as là. pas un moyen de m'activer un levier ou quoi? Parce qu'en fait, là, j'ai une porte que je peux pas encore ouvrir. Peut-être que ça m'aiderait. Ok, je vais regarder ça.
Est-ce que ça fait quelque chose vers toi là? Alors, je sais pas ce que tu as fait, mais bah non, en fait. J'ai activé une sorte de générateur. Voilà. Ok, bah après moi je pense, alors j'en sais rien, mais en vrai moi je pense que le truc là, le truc que je t'ai parlé tout à l'heure avec la caméra, je pense en fait ça peut peut-être t'aider avec le comment l'échiquier finalement. Et peut-être qu'il faut que tu un truc pour que ça active ma caméra. Ouais, par contre, je veux bien, mais je suis en train de geler, enfoiré, je suis en train de geler. Par contre, moi, j'ai juste le générateur, c'est tout. J'ai rien d'autre à activer. Ça, t'as pas ouvert une porte, non? Rien du tout, non, non, absolument rien. Là, si tu fais la caméra, là, si tu actives la caméra, ça ne fait rien ou il te manque encore une pièce? Bah attends, je vais essayer du coup. Et après, Scorpix, t'oses me dire qu'il explique bien? Aïe, 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 aïe. Oh, une caméra, faut de l'électricité. Alors, bonne nouvelle, je peux tourner la manivelle, mais bah il se passe rien. Je sais pas, il y a un film dedans, il y a quelque chose, il y a une sorte de pelli. Vas-y, je t'écoute. Je suis en train de mourir, je suis en train de geler sur Donc là place. j'ai la partie d'échec en live. Merde, ok. Quelle pièce, on est quoi, nous, au début? Avance le cinquième pion en partant de la gauche de 2. 1, 2, 3, 4. Vas-y, la suite. Ensuite, le truc qui se déplace en diagonale, celui qui est à droite, tu le déplaces de 3 cases. Putain, c'est ça le fou. Y a pas des pièces noires? Je retiens. Merci, Scorpix, merci. Je vais mourir. Attends, toi t'es quelle couleur? Tu dois faire. Oh, t'es quelle couleur? Moi, je suis blanc. Mais Tu peux interagir les blancs ou tu peux faire interagir les noirs aussi? je peux faire interagir les deux. Je vais mourir. Je suis en Ah train bah de. ça, fallait prévenir monsieur. Excuse-moi, mais moi, j'en sais rien. Moi, c'est pas moi qui ai la vidéo en face de moi. Bah moi je pensais que tu pouvais utiliser que un des deux, donc ok bah je te redis alors. T'auras le droit de le vanner, Scorpix, sur ça, hein. Comme quoi il Bah t'as explique fait bien. bouger quoi pour l'instant? Juste la pièce blanche que tu m'as dit. Je suis mort. Ok alors, ça attends 2 secondes du coup que je relance le film. Il m'a pris pour un Yeti à. Tu m'as pris pour un Yeti là, à résister au froid là. Je vois les 10% de l'écran. Bah je vais me dépêcher parce que peut-être que tu as crevé. Merci. Très aimable. Ok, alors là, t'as bien bougé celle que je t'ai dit, donc la blanche. Oui, effectivement. Alors, tu bouges la même de l'autre côté pour que les deux là soient collées. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Ensuite, tu bouges celle qui se bouge en diagonale, celle de droite blanche, tu la décales de 3 cases. Droite blanche. Non, c'est celle-ci. Hein? Non, attends, fou, c'est celle-ci. RIP, ouais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Bah t'as réussi, il se passe quoi? Attends.
1, attends, 1, 2, 3, 4, 5, vas-y, je vois que dalle. Ah, RIP, là, c'est RIP. Je vais mourir à cause de lui. Là, j'ai dépassé la pièce blanche, mais j'arrive pas à déplacer la pièce noire. Attends, redis. J'ai déplacé la pièce blanche, mais j'arrive pas à déplacer la pièce noire. Alors c'est normal parce que bah c'est pas la même qu'il faut bouger, attends. Ah, je le maudis! Je le maudis! Ah, je le maudis! Tu mets 3, enfin non, non, mais moi, c'est moi qui mets 3 heures accessoirement. Bon, maintenant, c'est bon, tu sais. Oh, checkpoint! J'espère qu'on redémarre là au truc là. D'échec là. J'espère aussi. Maintenant qu'on a compris, ouais. Alexis, t'es très lent. Voilà ce qu'on dit. Ce qu'on te dit. Oui. Oui, il est lent. Hein. Je confirme, il est lent. Alors, 1, 2, 3, 4. Moi, j'étais en train de me geler les parties. Tandis que lui, il est au chaud à l'intérieur, là, en train de lire des bouquins, boire un petit café. C'est toi qui voulais pas être libraire, hein. Toi, tu voulais être l'explorer, hein. Vas-y. Hop, c'est bon. Pardon, autant pour moi. Bon. Là, direct, il va. J'espère qu'on recommence de là, parce que si c'est le labyrinthe. Je me souviens plus de l'ordre. Ok, c'est bon, c'est le labyrinthe. Ok, c'est bon, c'est le labyrinthe. Labyrinthe. La fin du labyrinthe, là, c'est la partie d'échecs, je veux dire. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait tout refaire là. Par contre, mets-toi. Bah là, on sait maintenant, faut que tu te mettes vers la caméra. Ou s'il y a une pellicule ou je sais pas quoi à prendre. Attends, avant d'aller sur le truc d'échecs, il faut que je remette la pièce en place. Vas-y, vas-y. Sachant que moi, je sais pas comment il regarde. S'il regarde en face, si les blancs sont là, les noirs sont là, lui il va me dire à droite. Les rois des bouffons. Ah mais dis-toi que moi les pièces, je les regarde en face. Je suis pas derrière les pièces pour les bouger, je suis en face des pièces. Donc il faudrait peut-être que t'inverses pour me dire. En gros, tu es en train de me dire que tu la regardes pas de derrière, mais enfin, comment dire, depuis l'autre côté en fait. C'est ça. Ok, t'y es au truc d'échecs? Non, je suis juste devant, mais il faut que je te réactive, à mon avis, le générateur pour que la caméra se lance, non? Bah un petit peu, ouais, c'est mieux. Idiot! C'est bon, idiot, tu peux lancer ta caméra. Allez, c'est... Bah non, en fait. Je ne peux pas. J'ai rien dit, c'est juste que le courant met du temps. Oh, si je me Il dit rends. quand t'es à côté du truc. Vas-y, vas-y, je suis juste à côté. Alors du coup, bah... On commence déjà à mettre la première pièce, là. Donc la... Attends, imagine t'es derrière, tu mets la quatrième blanche, le pion, tu l'avances de deux. 1, 2, 3, 4. Cinquième, excuse-moi. La quatrième en face de toi. Vas-y, c'est bon après. Ensuite, tu fais pareil avec la pièce d'en face. 1, 2, Genre, 3, tu les colles. 4. C'est bon.
Ensuite, la pièce qui va en diagonale, tu la déplaces de 3, la blanche. Laquelle? Celle qui part en diagonale, je sais pas comment elle appelle, mais c'est celle qui part en diagonale, la blanche, celle qui est à droite, tu la déplaces de 3 cases. Négatif, négatif, attends. Comment ça, négatif? Putain, mais ouais, mais. Relance ton film. C'est ce que je viens de faire. Alors, la quatrième en partant de ta gauche, blanche, tu l'avances de 2. Ok, c'est bon, c'est fait. Ensuite, la noire, tu fais pareil avec le pion pour que les deux pièces se collent. Un, deux, trois, quatre. T'as compris au moins ce que je t'ai dit ou... Ah mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non mais non, c'est hardcore. Le pion noir qui est en face du pion blanc que t'as bougé, bah tu le bouges pour que les deux soient face à face. Ah mais je peux pas. Mais comment ça tu peux pas? Bah il veut pas. Aucun des pions noirs veut bouger. Et bah c'est celle-là que tu bouges. T'as dit quoi? Toi, tu m'as dit que tu regardais les pièces en face, pas de derrière, mais de en face. Donc Ouais. du coup, le quatrième pion, en partant de la gauche, tu l'avances de 2. Ouais, non, mais c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, c'est pas possible. Il refuse que j'avance. Putain, il refuse que j'avance un pion noir. Non, la Mais là, seule. je te parle d'un pion blanc, là. Ouais, ok, mais elle est là. Oh, c'est compliqué. Vas-y, vas-y, je vais me laisser mourir, on va recommencer. Là, je vois que dalle, vas-y, allez, meurs. Ouais, c'est Vas-y, mort, tu c'est t'allais mort. encore mourir. Faut pas que tu meurs. Ouais, je sais, mais. Je suis obligé là et j'arrive pas à bouger les pièces. C'est un abandon du côté de sorcier, j'ai l'impression. C'est quoi ces pions noirs, pions blancs que je dois bouger? Parce que je peux bouger que les pions blancs là. Allô? Ouais. Là, je peux bouger que les pions blancs, hein, c'est tout. Les pions noirs, je peux pas les bouger. C'était pion blanc, hein. Mais oui, mais je l'ai avancé ton pion blanc, comme tu m'as dit, de 2, mais les pions noirs, je peux pas les bouger. Tu ne peux comme il bouge tout seul ou juste tu peux pas les bouger? Parce que tout à l'heure tu m'as dit que tu pouvais les bouger. Oui, bah là, je peux plus les bouger, là, maintenant. T'as bougé une pièce pour que ça ne bouge plus ou comment t'as fait? Non, non, j'ai rien touché. Allez, meurs, s'il te plaît. Et bah ouais, et les pièces noires elles sont comme enfin de base, genre elles ont pas bougé du tout quoi. C'est ça. Et t'es certain tu peux pas les bouger. Certain, ça fait 3 fois que j'essaye. Et bah merde alors.
Ah putain, mais ouais, je suis obligé de mourir là, je suis obligé de mourir. Ah mais ouais, écoute, je vais boire un petit café là. Bon, vas-y là, dépêche. Ouais, surtout, faut faire un zéro faute. Ouais, un zéro faute, mais Ah là 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 là, c'est la mort qui a assassiné la sorcière. ouais, non, mais en fait. Ouais, je vais regarder J'y les. crois. Je vais regarder les pièces de derrière. Par derrière, comme ça, je sais comment. Vas-y, je vais réactiver le générateur. Ok. Comment il n'a pas accepté? Vas-y, c'est bon. Alors du coup, si tu regardes les pièces blanches d'en face, tu Non, bouges non, je suis derrière les pièces, je suis derrière les pièces. deux. Je suis derrière les pièces, dis-moi juste gauche, droite, et comme ça je pourrais voir la pièce. Alors, si tu es derrière les pièces, tu bouges la cinquième en partant de la gauche de deux. Deux, trois, quatre, cinq. C'est bon, après, pour les noirs. Ensuite, la noire, tu fais en sorte que le pion soit en face du pion blanc. Le pion noir, il faut qu'il soit en face de ton pion blanc que t'as bougé. C'est bon. Donc ensuite, si tu retournes derrière les pièces blanches, t'as le fou, donc c'est la troisième en partant de la droite. Il faut que tu la bouges de trois cases en diagonale sur vers la gauche. C'est bon. Ensuite, donc si tu regardes en face de toi, pas derrière les pièces noires, mais en face de toi, tu prends la deuxième en partant de la gauche. Noir. Le deuxième. Attends, comment... Ouais, c'est ça. Le deuxième pion noir, tu l'avances de 1. Et si tu es derrière les pièces noires, c'est la deuxième en partant de la droite, du coup. Ouais, c'est ça. Tu l'avances de 1. Non, non, c'est faux. Hein. Du coup là, tu l'as recommencé? Putain, c'était elle. Ouais, c'était elle. Non, mais dis-moi tout le temps par quand je regarde derrière, parce que là, devant, derrière, je m'en sortais plus. Ok, donc du coup là, t'es tout le temps derrière les pièces, hein. C'est ça. Ok, ce sera plus simple parce que moi tout à l'heure, tu m'avais dit que t'étais devant les pièces. Ouais, mais après, là, pour celle-ci, je t'avais dit que je peux me mettre derrière les pièces. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas de soucis. Bah vas-y, recommence du coup. Bah, faut que je me laisse mourir, hein. Tu peux pas recommencer? T'as pas un bouton pour recommencer ou un truc comme ça? Non. Comment je fais recommencer game entièrement? Ah ouais, ok. Parce que toi, t'as un bouton pour recommencer? Moi, je suis sûr qu'en plus, Je ces peux juste énigmes. recommencer le film, quoi, mais non. Je suis sûr qu'en plus, ça, ces énigmes, Mais elles là, tu peux sont. pas du tout rebouger les pièces. Si, si, je peux bouger les blanches. Mais je vois que dalle, hein.
C'est d'une galère. J'ai cru que ça allait être marrant, mais c'est bon du coup, non? Ouais, je vais bientôt mourir là, je vais bientôt mourir. Bah, si tu peux bouger les blanches, c'est là que tu peux continuer alors. Ouais, mais je vois quasiment rien. Ok. Ok, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Hop. L, hop. Ça. 1, 1, 2, 3. Ok, là. Tac. Deuxième noir, ça va être là. Que t'aurais dû être explorer. Enfin, que j'aurais dû être explorer. MDR. Quoique tu sais pas lire, donc je sais pas en fait. Je t'emmerde. Pardon pour le vocabulaire. Merci. Oh, il fait une chaleur. Ah, mais c'est bon, j'ai pigé. 1, 2, 3, 4, 5. Celle d'en face. Après, je fais bouger le fou. Après, je prends la deuxième. Je la fais passer. Je la fais décaler de 1. Putain, c'est faut s'en souvenir en fait. Ah, c'est compliqué, hein. T'as, en vrai, c'est chiant qu'on doive, que en gros, si tu te rates une fois, c'est mort, quoi. Je trouve ça galère. Ouais, non, mais complet. Mais en fait, c'est que... Mais en même temps, je gèle, donc... Là, j'essaye de mémoriser le. J'essaye de mémoriser le jeu d'échecs, comment tu me le dis à chaque fois, pour bien placer les pièces. Ouais, non, c'est pas l'agacement en fait. C'est juste qu'il explique mal. C'est tout. J'explique mal. Ah si merde. Allez, c'est bon, vas-y. Bon, là, ce que j'ai compris, c'est quand tu fais démarrer le film une première fois, c'est tout le temps la même chose. Là, il m'entend plus. Ouais, t'as vu, Scorpix, hein, je suis pas fou. Hein. Je vais lourdement pleurer à cette accusation. Pleure, tu pisseras moins. Allez, 1, 2, 3. Un, deux, trois, quatre, cinq. T'as activé le générateur? Ah, effectivement. Allez, on est reparti alors. Je peux pas avancer que de 1. T'es prêt? Vas-y, dis-moi. Je reprends depuis le début ou quand même? Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, la pièce blanche avancée. J'ai avancé la pièce noire en face. J'ai bougé le fou de 3 cases. Et là, j'ai la deuxième pièce... noir de droite, je peux l'avancer de 2, mais pas de 1. T'es obligé de l'avancer de 2? Tu peux pas l'avancer que de 1. Attends, je vais toucher, mais je suis sûr que ça va être. Non, c'est bon, je l'ai avancé de 1 à la suite, s'il te plaît. Alors attends, parce que là le film il est en cours du coup. Il me semble que c'est la reine que tu vas devoir bouger en diagonale, mais je suis pas sûr, attends. Ouais, tu bouges la reine de 2 en diagonale vers la droite. C'est bon. En
Ensuite, tu prends le cavalier qui est à droite chez les noirs et tu fais un L avec. En gros, tu te mets à côté du pion quoi que t'as mis avant. Genre, tu te mets un. À côté gauche ou à côté droite? Si t'es derrière les pièces, tu te mets à côté gauche. C'est bon, vas-y. Et après la reine, tu l'avances tout droit jusqu'au pion. Tu l'avances tout droit jusqu'au pion qui est en face d'elle. Reine blanche, hein. Ouais, reine blanche, reine blanche. Eh bah putain! La porte. Enfin! La porte. Cours, Forest, cours! Alors explique-moi maintenant. Nice! Nice! T'as heureusement que je me suis souvenu de ce que tu m'avais fait avant. Hein. T'as heureusement que moi j'ai une tête, hein. Ah, je vous le dis. Je retiens ce que t'as dit. Alors là, j'ai un livre avec des symboles. Il y a certains symboles que je vais pouvoir te dire. Il y en a un, je te dirai pas ce que c'est. Alors vas-y, parce que en fait, moi j'ai plein. Enfin, je crois que j'ai 5 livres. Merci. Donc, dis-les-moi dans l'ordre. Alors, j'ai une tête. J'ai un losange qui ressemble à une tête de chat là, avec deux oreilles posées style comme par terre. J'ai le deuxième signe qui fait partie des parties intimes des hommes. J'ai un autre notre signe, c'est un U à l'envers avec un J et une boule au-dessus qui est coupé par un trait. J'ai une sorte de bonhomme avec les bras en l'air. Et j'ai une tête de bonhomme en carré comme tout à l'heure au début. Ok, alors ne bouge pas. Je vais essayer de trouver le livre. Ok, c'est compris. Répète-moi en attendant quand même pour que je sois certain. Alors, une tête de chat, un pénis, un... Ouais, désolé les gars, je l'ai dit. Un U à l'envers avec une sorte de J et une boule coupée en deux par un trait. Un bonhomme avec les bras en l'air et le visage d'un bonhomme, c'est avec les carrés, là. Je suis désolé, ça ressemblait à ça, le deuxième signe, hein. Après, l'esprit mal placé peut-être, mais au pire, on peut dire un A. Mais bon. Alors, je trouve à chaque fois tes 4 premiers signes, mais le dernier, je ne le trouve pas, donc attends un peu. Une glace à l'envers? Quoi, le deuxième signe, Scorpix? Alors, si je répète bien, donc le premier c'est une sorte de chat, ok, avec une barre en dessous. Le deuxième, on va dire que c'est un A avec un trait au-dessus, on va rien dire d'autre. Le deuxième c'est une sorte de U à l'envers avec un J et un rond barré. Le troisième c'est un bonhomme, une sorte de totem collant, on va dire. Et le troisième c'est le bonhomme carré de tout à l'heure, c'est ça? Enfin, le dernier c'est un bonhomme carré de tout à l'heure, c'est ça? Tout à fait. Alors, attends, il y a des instructions derrière le livre, je vais te les dire. Ouais, lui il a pas osé le dire quand même. Ah, ça va quand même. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde est allé en cours de SVT au moins une fois dans sa vie. On dit ça, je dis rien. Je sens que si je marche sur la mauvaise dalle, j'y vais mourir.
Alors attends, je traduis ce qu'il y a écrit parce que j'ai un niveau en anglais. Voilà quoi. Meilleur que le tien quand même, mais quand même chaud quoi. On va pas tenter le diable, hein. On va pas tenter. Vive la SVT. Ouais, tout à fait. Pas grave, au pire qu'il y a... Non. Je l'ai laissé le galérer avec son anglais. Tu meurs pas trop là, c'est bon, je peux prendre mon temps. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon, tranquille. Putain, je vais changer de pile toutes les 2 minutes qu'elles sont pas chargées. Ok, est-ce que t'as un endroit avec des sortes de plateformes? Tout à fait, je veux pas monter dessus parce qu'il y a des pics de chaque côté. Ok, alors écoute-moi bien parce qu'en fait moi j'ai une sorte d'inscription qui fait un peu un chemin qu'il va falloir que tu m'écoutes et que tu suives mes instructions. Ok, alors moi je suis devant un escalier, j'ai une, deux, trois, quatre, j'ai 5 plateformes devant moi. Ok, alors il faudrait que t'aies, je pense, sur la première parce qu'en fait le premier il me dit qu'il faut que tu ailles sur la gauche. Il me dit que tu te, faut que t'ailles sur, à l'ouest. Donc pour moi l'ouest c'est la gauche. Hein. En haut tu vas d'une plateforme vers la gauche avant d'aller à l'est. Ok, je suis mort. Alors, on recommence avec les runes. Yes. Alors là, j'ai pareil une tête de chat avec un corps et des bras en l'air. J'ai un A avec une sorte de T minuscule. Là, j'ai une sorte, on va dire, de J avec un rond qui a une croix à l'intérieur. Avec une sorte de, je sais pas, on va dire un R minuscule. J'ai aussi un bonhomme. Cette fois, il a les mains en losange et la tête en losange aussi. Et la dernière, j'ai un autre bonhomme, on va dire, au-dessus, dans une bassine. Ça va les explications ou pas? Là, c'était correct? Répète-moi tout ça là. Une tête de chat avec un corps, les bras en l'air. Un A avec un T au-dessus. Un J à l'envers avec un rond qui a une croix à l'intérieur. Qui est sur une sorte de R minuscule. Et j'ai un bonhomme avec la tête et les mains en losange, les bras levés. Et j'ai un autre bonhomme qui est, on va dire, dans une bassine. T'aurais dit comment, Est-ce Scorpix? qu'on peut pas plutôt dire que c'est une barque avec une sorte de maison dessus et un rond avec un point à l'intérieur? Le dernier. Le dernier, alors, on va dire que c'est une bassine. Il y a une sorte de petit rectangle au-dessus. Il y a un triangle, un corps, on va dire, en triangle. Un rond avec un point à l'intérieur et une petite barre en haut. Ok, c'est ça. Du coup, si je rappelle, donc t'as un chat qui a les bras en l'air, t'as un A avec un T, avec un T minuscule dessus, t'as une sorte de J avec un graphique très bizarre et séparé à l'intérieur du rond. Après, t'as un bonhomme avec des bras et tête losange, et puis t'as le gars dans la bassine. C'est ça.
Donc du coup, ouais, bouge pas, je vais te donner les instructions. Alors c'est galère parce qu'en fait c'est en anglais et bah c'est juste galère quoi. Ouais, ils l'ont pas fait en français, hein, pour évidemment. Très bonne question. Ouais, non, mais c'est chaud d'expliquer. Alors il me dit qu'il faut que tu commences à partir de la plateforme à l'est, que à droite. Ok, c'est bon. Ensuite, il faut que tu avances de 2 tout droit. Ok, en fait, quand tu me dis faut que je commence à l'est, faut pas que je monte sur la plateforme. Comment ça, comment ça? Enfin, il faut que tu commences à gauche, quoi. À droite. À droite, effectivement. Ouais, donc en fait, faut que je me mette à droite, en face des plateformes, et après je compte de deux. Ouais. Ok. Putain, c'était ça. Donc là, je te redis les hiéroglyphes que j'ai. Là, cette fois, j'ai un chat avec un corps un peu plus gros. Et les bras levés, j'ai toujours le, le A avec le petit, la petite barre en haut. Cette fois, j'ai un J à l'envers toujours, mais le rond est plus large, qui est dans un signe un peu bizarre. J'ai toujours le bonhomme avec les mains et les têtes et la tête en losange, les bras levés. Et j'ai toujours le petit bonhomme dans la bassine de fin. Ok, c'est bon, j'ai le livre, mais tu dois recommencer depuis le début là? Affirmatif. Eh bah, ça fait chier. Ok, j'ai le livre, bah, je te dis du coup. C'est. Ouais, je te dis. T'arrives quoi sous mon bureau? Rien, j'ai juste étendu mes jambes, c'est tout. Bande de Alors, il pervers. faut que tu ailles, pardon, dans le coin le plus à gauche. Ok, c'est bon, c'est fait. Je suis devant la plateforme la plus à gauche. Alors, il faut que tu avances tout droit tout en regardant tes pieds. Ça me dit juste ça. Il me dit, il faut que tu avances tout droit tout en regardant tes pieds. J'avance tout droit jusqu'au bout. Non. Alors, ça me dit avant la dernière. Donc ouais, en fait, jusque l'avant-dernière, tu dois aller. À droite. Tu dois aller deux fois à droite. Ok, là, je vais combien de cases à droite? Normalement deux. J'aime pas trop ces normalement. Un, deux. Ok, après. Alors tu vas de 1 vers le bas, genre comment dire? En gros, faut que tu ailles 1 vers le bas, genre je sais pas, genre ça te dit vers le sud quoi. Ok. Ensuite, tu vas jusqu'au mur le plus à droite. Ok, je suis paniqué. Et normalement, tu peux aller tout droit jusque la porte. Enfin, jusque l'autre côté, quoi. Nice, c'est bon. Voilà, c'est trop, on est fort, on est trop.
Traducteur et ingénieur, incroyable. On s'y est repris à trois fois quand même, hein, mais traducteur et ingénieur. Hein. Ok. Alors moi j'ai marqué scène 1. Blood light et j'ai des leviers. Scène de théâtre là. Ok, moi j'ai des leviers avec marqué scène 1, blood light. Et attends, je vais voir, j'ai des trucs à gauche et à droite. Essaye d'activer les leviers peut-être. Attends, trois enfants. Ok, t'as reçu des instructions ou pas? Rien du tout. Essaye de voir pour activer les leviers ou des trucs comme ça. Yo Shonat, comment ça va? T'as des trucs qui ont bougé ou pas du tout? Non, pour l'instant non. J'entends un truc bouger. T'as pas autre chose toi? Attends. J'ai un truc qui vient d'apparaître. Ok. J'ai un truc qui est apparu là. Et c'est quoi qui est apparu? Une sorte de personne avec un couteau dans la main moitié. T'as pas reçu des instructions pour je sais pas, faire bouger quel bonhomme et tout? Non. Ah, attends. Ah, ça va tranquille, Chenette, hein. Tranquille. On essaie de s'en sortir, mais chaud. Ok, essaye de retenir les leviers parce que alors là il y a un monstre derrière moi. Là il y a une princesse qui apparaît avec ton levier. Il y a un putain de monstre derrière moi. Ça va être terrible. Bon. En gros là, j'ai activé un truc. Il m'a dit que il me faut. Enfin, en gros, il a dit, il était une fois un château rempli de vie. Du coup, je pense qu'il faut que tu m'amènes un château et des personnes ou un truc comme ça. Ok. Le truc, il est sorti de droite ou de gauche, ce que je t'avais sorti? Ah, le truc, il est sorti de droite ou de gauche? Il non, pas de code, LDS. Les deux sont sortis de droite. Ok, là, il y a un roi qui est sorti de la gauche. Et le... Putain, le monstre, il en est où, là? Il est loin, mais... là, on est surtout loin de notre truc, là. Ouais, il faut que tu amènes un château et de la bière. Ouais.
Alors là, j'ai trois personnes qui sont arrivées de la droite, donc ça doit être trois habitants du village. Putain, mais j'arrive pas à trouver le château. Bah dépêche-toi avant que je ne meure. C'est bon là, il y a quelque chose? On peut voir. Ça c'est ah non ça ah mais non attends excuse-moi ça c'est le roi lui là c'est pas c'est un roi avec une épée avec du sang dessus. Il avance le monstre il avance. J'ai Non envie ça c'est de un roi avec une j'ai épée en envie de sang le et laisser le mourir. même roi mais avec une épée en sang. Il vient de fumer quelqu'un quoi. Et là dis putain. Et là dis-moi s'il y a quelque chose qui sort. Tout ça. Donc je sais pas si c'est ça, je pense. Il y a quoi? Ça ressemble à quoi? Une porte, un... C'est comme une arche en pierre. C'est une sorte de arche en pierre. Ok, ça doit être ça. C'est au milieu de la scène ou pas? De la scène, sauf que là, t'as encore le roi avec l'épée qui est sur la scène, et t'as encore le roi tout court qui est sur la scène, et les habitants ils sont pas au milieu. Ça, c'est le roi avec le sang que j'ai bougé. Ouais, c'est le roi avec le sang, tu l'as pas totalement. Voilà, nickel, mais ouais, c'est le roi avec le sang lui. Ok. Ok. Ça, c'est quoi qui a bougé? S'approche, s'approche. C'est quoi qui a bougé? Là, j'ai rien vu bouger. Ok, là, t'as bougé, là, tu bouges le roi. Là, tu bouges le roi normal, là. Ok, et en fait, ok. Ça c'est quoi? Tu bouges les paysans, mais du mauvais sens. Là c'est bon? Là, c'est parfait. Ok. Du coup, je sais pas si on laisse comme ça. Bah, je sais pas, il t'a dit quoi? Il était une fois quoi? Il t'a, putain, il t'a dit quoi? Il était une fois quoi? En vrai, il m'a dit, il était une fois un château rempli de vie. Ok. Par contre, moi, faut que j'arrive Peut-être qu'il à... faut que t'amènes tout le monde, je sais pas. Il y a une lumière d'allumée sur la scène? Ouais, là, il y a une lumière d'allumée, ouais. Non, mais j'arrive pas à bouger. Alors, il faut savoir que le monstre est très très près de moi. Et en gros, je peux pas me mettre trop loin de la scène parce que sinon, bah, il me tue en fait. Là, si je m'éloigne, je vois plus la scène. Dis-moi quand l'épée. C'est quoi? C'est le roi là qui. Dis-moi quand le roi il est caché. Alors là c'est bon, là c'est le roi et là il est je pense je sais pas si tu l'as mis au max mais là tu t'as mis le roi. Ok. Toute façon c'est sûr je vais mourir, c'est certain je vais mourir mais au moins qu'on teste quoi. Ouais, mais j'arrive pas à mettre en fait à valider la scène en fait. Comment? J'arrive pas à valider la scène parce que je sais, j'ai un levier avec scène 1. Ah bah peut-être qu'il te manque un truc, non, genre t'avais pas quelque t'as pas quelque chose d'autre? Là, y a des trucs qui sont pas bougés encore, je crois. Là, t'as quelque chose qui est apparu ou quoi? Une princesse, une belle princesse que j'ai envie de pécho, mais faut pas le dire, mais une très belle princesse.
Dis-moi quand elle est dans la lumière. Là, c'est bon, elle est dedans. Le roi est parti. Le roi est dans la lumière? Pas du tout. Non, non, tu en fait tu l'as fait partir, donc vas-y, fais-le revenir. Là, c'est bon, c'est bon. C'est des paysans ou des enfants? Non, non, c'est des paysans, donc t'as un fou, t'as et puis t'as un mec et une meuf. Rien compris. J'ai rien compris. Non mais c'est bizarre que je peux pas aller. Il s'approche très très proche de moi là, le monstre. Il est pas du tout sur la scène, quoi. Je suis mort. Ouais. Qu'il y a un problème là. Il faut refaire les plateformes. Putain, mais je croyais qu'on avait un checkpoint. Bon bah rebelote, hein, dis-moi les symboles. Vas-y, redis-moi. Ok, c'est bon, je l'ai. Pardon. Désolé. C'était tard quand je cherchais un truc pour savoir pour si je pouvais me débloquer là de ces trucs là. Alors, le livre il est buggé. Je ne peux plus le prendre. Ok. Interagis peut-être avec un autre livre et reprends-le après. Lire. Je sens que je vais mourir. Alors, attends. Je pense que c'est parce que j'ai pris le talkie-walkie en même temps de bouger le livre, du coup ça l'a fait bugger et je peux plus le prendre ou le bouger. Donc attends juste un peu que j'essaie de lire. Au pire, interagis avec un autre livre et peut-être que ça débuggera le truc. Bien joué l'artiste. Putain, heureusement qu'il y en a qui a un cerveau. Hein. Ouais, je sais, merci. Je sais que j'en ai un, merci. Ok, alors tu te mets tout à droite. Tu te
te mets tout à droite. Tu te mets pas sur la plateforme, mais tout à droite. Ah, ok, c'est bon. Tu avances de 2 tout droit. Yonatou. Ok, c'est bon. Ensuite, tu avances de 2 vers la gauche. C'est bon. Ensuite, tu refais 2 tout droit. J'ai pas compris. Refais-en 2 tout droit. Tu refais 2 plateformes tout droit. Ok, c'est bon. Et ensuite, tu fais une plateforme à droite. Ok. Et normalement, là, tu peux aller vers la porte directement. Nice. Comment ça va, Natou? Je suis juste devenu le boss, en fait. Ah, mais prends pas la grosse tête, hein. Bah si, je la prends totalement, je suis vraiment trop fort, quoi. Ok, alors je vais te redire ce que dit le truc. Du coup, ouais, il faut que tu me remettes le château avec, donc je pense, les paysans, le roi, la reine. Et peut-être si t'as des enfants, essaie de les mettre. La reine, les enfants, le roi. Tu arrives à quelque. Ouais, pardon, attends. Du coup, je vais vous commander, s'il vous plaît, un château with tout ce qu'il y a de possible de faire de la vie, quoi. Tu as quoi là qui sort? Là, c'est le château. Ok, dis-moi quand il est dans la lumière. Tu peux encore. Hein. Encore. Là c'est bon. Ok, très bien. Là t'as quoi qui sort? Bah ça va tranquille, Natou. Hein. Absolument rien. Là c'est le roi avec l'épée en sang. Là t'as quelque chose? Là c'est le roi normal. Je fais encore un peu avancer. Est-ce que tu peux l'avancer encore un peu, tu penses? Non là je peux plus là. Ok bah non c'est bon. Ok, donc là c'est les paysans. Ok, dis-moi quand ils sont derrière le château. Encore. C'est bon. Bah de toute façon on fait au maximum quoi. Là c'est la reine. Essaye d'avancer encore un peu les paysans. Les paysans, fais-les avancer si tu peux encore. Ouais, mais je peux plus, j'entends plus rien moi. Dis-moi si ça sort.
Là, là, ils s'en vont là, ils s'en vont là. Bah ouais, ça doit être bon, ça doit être bon là. Et te manque pas quelque chose que tu peux ajouter? Bah, je sais pas. Attends. Là, est-ce qu'ils ont pas. Est-ce que le truc qui t'a dit la reine, le roi, ou fallait juste les enfants? Bah c'est pas des enfants, c'est juste Bah vas-y, essaie d'enlever la reine et le roi peut-être. Ah, c'est un compliqué. Vas-y, essaye maintenant. Ah, je peux pas aller là pour valider la scène. Il se passe rien. Ah, je peux pas aller valider la scène. Attends, j'essaie un truc. Ouais, c'est ça, il me dit il y avait un château avec enfin rempli de vie quoi. Donc ouais, bizarre. Ce qui me chiffonne, c'est qu'en fait les paysans ils sont pas centrés avec le château, donc peut-être que tu peux pas encore avancer le château ou les paysans. Là, tu l'enlèves le château là. Je l'ai enlevé entièrement là? Pas entièrement, mais il était en train de s'enlever. Ok, bah non, c'est bon, c'est bon. T'as pas d'autres trucs que tu peux faire arriver? Bah voilà! Après la... Ok, la suite. Putain, bouffon. Ah, tu vas te détendre, fallait que je mette échappe. Pour moi, échappe, c'est quitter, hein. Bouffonne. Alors, où il vivait un roi avec sa femme. Donc, je pense qu'il faut que tu amènes le château avec le mari et le roi. Enfin, le mari et le roi, oui. Le roi et la reine. Ok, parfait, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci, Chenotte, d'être passé. Ouais, je galère. Hein. Ok, vas-y, c'est bon. Passe une bonne soirée à toi aussi, à bientôt. Alors là, je vais pas te cacher que si j'allume le nouveau scénario, je meurs en fait, parce que le monstre il est vraiment à côté du truc. Vas-y, vas-y, allume le truc. Alors, je sais pas ce que tu peux mettre. En gros, ça me dit, ils étaient tous heureux et tous bien, donc peut-être qu'il faut que tu les mettes tous maintenant. Genre tu mets paysan, château, femme et roi. Ok. J'ai peur, il y a le monstre qui est juste devant moi. La vie d'homme, il me saute dessus. C'est trop bizarre. J'ai trop peur.
Ça, c'est quoi? Attends. Il va me sauter dessus d'une seconde à l'autre, là, j'ai très peur. Là, il y a quoi qui sort là? Tu peux encore, hein, tu peux encore, les paysans, les voient pas, là. Non, ça, c'est le roi avec l'épée. Ok, c'est bon, c'est bon. Enfin, je crois que c'est bon. Ils sont tous dans la lumière? Ah! Putain! Ah, le monstre, il fait peur. Ah, ok, mais faut que j'aille, faut aller super vite. Bah, t'as mis 3 heures à comprendre qu'il fallait appuyer sur une touche pour activer un truc. Ouais, excuse-moi, 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 excuse-moi. Monsieur, monsieur, il met 3 jours à m'expliquer pour un jeu d'échecs là. Ah, je suis dégoûté. On recommence. Le truc, hein. Tête de chat posée par terre, le A avec le petit T, avec le petit la petite barre en haut, le J dans le U avec le rond avec un trait. Le bonhomme avec les bras levés, cette fois c'est les mains et la tête qui sont rondes. Et la tête en forme de carré. Ok, c'est bon, je l'ai. Je te lis ça tout de suite. On va y arriver. Alors, il faut que tu sois le plus à gauche. Ok. Tu avances deux pas. Tout droit, hein, bien sûr. T'es sûr que c'était le plus à gauche? Bah oui. Bah non. T'étais bien tout à gauche, hein? Oui. Bah ouest, on est d'accord que c'est à gauche. Relais-les. Ouais, on est d'accord. Vas-y, je te redonne les petits les signes. Là, j'ai le chat avec le gros corps, les bras en l'air, le A avec le petit T, le J avec un gros rond au-dessus. Cette fois, j'ai un bonhomme avec les mains et la tête ronde, mais c'est avec des angles droits, les bras levés. Et j'ai un autre bonhomme dans une bassine un peu plus grand que l'autre. Mais sa tête, elle est pas ronde. Et il n'est pas le corps en triangle. Vas-y, redis-moi tout. Ouais, des trucs épiques, Ok, Lélie. ok. Le chat avec le gros corps et les pattes levées. Le A avec le T minuscule au-dessus. Le J à l'envers avec un gros rond aplati. Un bonhomme avec les bras en l'air très fin. Hop là, très fin. Les mains et la tête rondes. Et là, j'ai un bonhomme dans une bassine un peu plus grand que l'autre. Ok, c'est bon, je l'ai. Alors, il faut que tu te mettes dans le coin le plus à gauche. Ok, j'y suis. Il faut que tu avances de 3 pas tout droit. Ok. C'est bon, c'est bon. Ensuite, tu recules d'un pas. C'est bon. Ensuite, tu fais 2 pas vers la droite.
C'est mort. Ok, bah je sais pas lire. Hein. Je te donne les signes. Un mot qui avait marqué ne faites pas ça, putain, c'est vraiment des salopes. Ah! Je te fais les signes, je te dis les signes. Bah vas-y. Hein. Le chat avec le corps très fin et les bras en l'air. On va dire des jambes avec un T au-dessus. J'ai un J avec le rond avec la croix. J'ai un bonhomme avec les bras levés, avec les mains et la tête ronde, qui a le corps très fin. Et j'ai la tête carrée. Ok, le premier me suis raté parce qu'en fait c'était ce livre-là, j'avais mal compris les signes. Ok, ok. Du coup, bah, tu fais comme tout à l'heure, tu vas le plus à gauche et tu avances de 2. C'est bon. Ensuite, tu avances de 2 vers la droite. C'est bon. Ensuite, tu vas tout droit 2 fois. C'est bon. Ensuite, je comprends pas la phrase, donc attends que je la traduise. Est-ce qu'on va y arriver? Ça fait 2h15 quand même. 2h15. C'est compliqué, hein. Elle est où la porte par rapport à toi là? Elle est en face. Je Alors là, sens je, que pour je la voix, vais mon. je sais pas trop, je comprends pas trop la phrase. Elle est bizarre en fait, y a pas marqué genre aller 2 fois à l'ouest ou quoi, genre c'est marqué. Ouais, ça dit quoi? Bah en gros, il dit un truc qui n'a aucun sens finalement. Oui, mais ça dit quoi? Si je traduis mot pour mot, mais c'est peut-être une expression, hein. En gros, ça dit un peu. Après, genre, ça fait un peu tête pour la porte. Donc je pense que c'est une expression quoi. Un peu tête pour la porte. Vas-y, essaye de un tout droit vers la porte, essaye. Ah, c'est bon, je suis. Merde. Ah, je suis mort, hein. Bah écoute, c'est pas grave, je comprenais pas cette phrase. Je crois que c'était une expression anglaise. Ok, alors les signes, c'est le chat avec les bras en l'air, avec le corps fin, le A avec le petit T, le J avec le rond et la croix. À l'intérieur, j'ai le bonhomme avec les bras en l'air, avec la tête et les mains en losange, et j'ai notre bonhomme dans une bassine avec la tête ronde et le poing. Ok, j'ai le livre, il me semble que celui-là il était facile. Alors, tu te mets tout à droite. Ok. Tu avances de 2 pas tout droit. Ok. Ensuite, tu avances de 2 vers la gauche. Ok. Ensuite, tu vas 2 pas tout droit. Ok. Ensuite, de 1 vers la droite. Et après, tu peux terminer tout droit.
Ok, dis-moi ce qu'il te dit le bonhomme. Bah, c'est tout, c'est la même chanson, je pense, hein. Ouais, c'est la même chose, c'est la même chose. Du coup, ouais, t'amènes le château et les bonhommes. Ok, c'est bon, tu peux activer. Il dit quoi là? Le château avec le roi et la reine. En fait, je me rends compte que c'est bâtard parce qu'au début, en fait, t'as que deux trucs, après t'en as trois, après t'en as quatre. Donc peut-être qu'après il en aura cinq, donc c'est pour ça que c'est de plus en plus long finalement à faire venir. Ah ouais. Ok, vas-y, c'est bon. Maintenant, tu les ramènes tous. Ok, tu ramènes le roi, la reine, le château et les paysans. Là, je suis en train de faire une scène. Allez, allez. Ok, c'est bon, le roi. Ok, c'est bon. Je suis en train de faire une scène, mais nous on la voit pas la scène. C'est bon, tu peux activer. Ok, c'est bon. Ok, après je fais quoi? Ensuite, ça me dit jusqu'à ce que le roi tue. Alors, je sais pas si c'est juste les paysans ou si c'est tout le monde. Attends, je réécoute. On va encore mourir. Ouais, du coup, tu enlèves le roi. Le roi. Ensuite, bah, tu enlèves les paysans. Et tu emmènes le roi avec l'épée en sang. Ok, c'est bon, on valide. Essaie de valider. Enlève la reine du coup. On devrait avoir son point de vue, Vas-y, tu vois. réessaye. C'est pas ça. C'est pas ça? Non. Réécoute. Ah, oh, c'est chaud. Ça a pas marché là? Non, ça a pas marché. Eh bien, attends, je réfléchis.
Ah, réécoute le truc, non? Bah c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais attends 2 secondes, attends 2 secondes. Ok, essaye peut-être de ramener la reine et les paysans, parce que vu, en fait, ouais, ramène la reine et les paysans, parce qu'en gros, le roi il va être devant les paysans, donc en fait, elle va les cacher, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Là, il y a toujours le château. Ouais, c'est bon. Vas-y, accepte. Yes, c'est bon. Il doit en rester un. Et j'ai 4 de batterie. Ok, et ça dit quoi? Ok, ramène juste le roi avec le sang. Vas-y. Faut pas que je mette une lumière. Merde, faut pas que je mette une lumière rouge. Ah oui, effectivement, vas-y. Là il est pas dans. Faut que tu la essaies de l'avancer un peu plus parce que là il est pas dans la lumière rouge. T'as pas plusieurs lumières rouges à activer? Non. Bah vas-y, essaye comme ça. Bah ramène le château alors. Parce que en gros ça dit en sang il dit donc peut-être qu'il faut que tu ramènes le château. Stop, vas-y, essaye. Ok, enlève juste enlève le roi avec le sang et ramène le roi normal. Enfin le roi ouais enlève ramène le roi normal. Peut-être que la lumière rouge, ça fait déjà effet de sang sur lui. Aïe aïe aïe, je te galère. Ouais, Illuminati. Vas-y, essaye. Ok, enlève le château. Vas-y, essaye. Oh yes! Non, pas ça. Non, pas de pompe. C'est bon? Ouais, c'est bon, mais je peux pas descendre par la trappe. Yes! Thomas! Ouh! Thomas, salut! Enfin! Enfin! Vas-y, attends, on avance, on avance. Attends, retourne sur la plateforme, vite fait. Là-bas, il y a une plateforme, vas-y. Là-bas, il y a une plateforme, vas-y. Mais si je me mets dessus, je vais pas rester tout seul là. Non mais je crois qu'il y a une autre plateforme de l'autre côté.
J'ai un doute là, attends. On peut pas poser un truc dessus, genre? Pas trop loin, c'est tout seul quoi. Non, mais tu m'étonnes. Non, mais je crois qu'il y a une plateforme là, juste derrière là. Ah, bah, laisse-moi le temps d'avancer pour que j'aille de là. Tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Si je clique, t'es obligé. Le sacrifice. Le sacrifice. Oh, tant de haine. Ah, y a pas de haine. Y a pas de haine. Ah, franchement, c'était pas mal. Hein. C'était galère. Hein. C'était galère. Ah, je ferai pas de pompe, Lélé. Pas maintenant. Quitte. Ah, t'es là? Merde, faut que je vais en mettre sur Discord. Chut. Discord! Ouais! Ah là là, tu m'as abandonné, t'es là. Ah, bon, t'entends pas. Hop, c'est bon. C'est bon, tu m'entends? Je t'entends. Ok, nice. Comment je t'ai abandonné comme un lâche? J'ai cru qu'il y avait une plateforme. Tu m'as abandonné comme un lâche. Mais n'importe quoi, je t'ai pas abandonné. Tu m'as abandonné dans le château et tu vas faire bouffer par un monstre. Ouais, mais ça va, le monstre, ouais, mais... Ah non, franchement, pas mal. C'était pas mal, cette petite aventure, ouais, là. C'était carrément bien. Juste, on est des gros bouffons. Ouais, mais grave. Non, mais mort de rire. Surtout un de nous deux, je dirais pas qui. Ah, toi, quoi. J'ai dit, je dirais pas qui, t'es pas obligé de le dire. Ah ouais, non, mais moi je le dis, moi sans vergogne, sans pitié. On a tous les deux été intelligents et bouffons quand il le fallait. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Sauf que le plus intelligent, je crois que c'est celui-ci qui est sorti du château. Mais le pire, c'est que je te l'ai dit, moi je dis, je suis sûr, je vais rester seul dans le château. Fallait un sacrifice. Ouais, au moins moi j'étais utile à la nation. Ouais, on va dire ça. J'essaie de me donner espoir. Mort de rire. Non, franchement, bien, j'ai bien kiffé et tout. J'ai vu, il y a des DLC et tout, je vais regarder. Ouais, il y en a deux, il y a We Were Here Too et il y a We Were Here Today Together. Ok. Ouais, je regarderai. Je sais pas s'ils sont payants. Je crois qu'ils sont payants. Ouais. Ce serait cher que ce soit payant, ouais, ce serait gascouille en fait. Non, mais à mon avis, ils doivent être payants, c'est obligé. Déjà qu'il est gratuit, lui. Ouais, bah oui, c'est clair. En plus, ils sont plus longs, je crois, les autres. Ah, il y a moyen. Attends, je regarde. 23. Attends. Le pack complet, 23 balles. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a World Together 2 et je sais pas quoi, Supporter Edition. Bah en vrai, je pourrais très bien me l'acheter, comme ça on fait d'autres... Comme ça après d'autres live, hop. Ah bah continue, ouais. Continuer à galérer comme des bouffons. Bah ouais, c'est faisable. Carrément, c'est faisable. Carrément. Non, franchement, bien. Et là, tu vois, ça c'est des trucs que je pourrais monter facilement, tu vois, parce que là, c'est plus cool, je pense, à monter. De quoi? Ça, tu vois, si t'as record. Ouais. Même ça, je pourrais le monter, tu vois. Oh non, mais ça, j'ai record et tout, ça, c'est bon, ça. Ouais, nickel. Bah, limite, envoie-moi le record et je te monte ça. Parce que, ouais, vu que moi, bah, j'ai vraiment assisté à tout. Ouais. J'ai tout à dire et j'ai déjà des idées de quoi faire. Ouais, bah. Ouais, bah. Pourquoi pas? Bah, ouais, faudrait que je te les envoie. Faudrait que je te les envoie par quoi, par contre? Putain, ça va être lourd. Mail? Tu peux par mail? Non, mail, ça va être trop lourd pour mail. Bah, si, sur un. Un. Merde, un drive.
Ouais, sur OneDrive, ouais, c'est ce que je pensais, Ouais, sur OneDrive. OneDrive, ouais. OneDrive et tout, ouais. Toi, mais toi, t'as pas record ton truc, toi. Non, moi j'ai pas record, Ah, dommage. c'est dommage. Ouais, parce qu'en plus, t'as quoi? T'as OBS? Ouais, j'ai OBS en plus. Ah, avec OBS, t'aurais pu record. J'aurais pu totalement record, ouais, c'est clair. Ah, c'est dommage. Parce que là, j'avais des personnes là, qui me disent que c'est dommage, on voit pas son point de vue et tout. Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais, bref, Ah, faudra en qu'on. vrai, en vrai. Ouais, je sais pas. Si, si, en vrai, j'ai une idée de comment faire. T'inquiète, j'ai une idée de comment faire pour le montage. Genre, je trouve des. Genre, au pire, je le refais avec un pote. Et en gros, je laisse juste la voix de ta vidéo. Ouais. Et ton live. Et après, genre, je vais mettre juste un extrait qui a probablement rien à voir. Mais juste au moins la pièce pour qu'ils comprennent, tu vois, genre un extrait vidéo. Ah bah ouais, c'est une... Attends, excuse-moi, je règle juste un truc. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, je regarderai ça après. Tac, tac, tac. Bah la prochaine fois je record. Hein. Ah ouais, record, record, record. Ouais, carrément. J'essaierai de prendre. Même moi, limite, je pourrais limite faire un stream, ce serait même plus simple, je pense. Aussi, ouais. Alors attends, juste 2 secondes, 2 petites secondes. Vas-y. Bon, sur ce, c'est la fin du live. Merci à ceux qui étaient présents. Merci beaucoup. Vous avez bien vu galérer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peut-être que je reviens juste après, dans pas longtemps. Peut-être pour vous, Wolfie, on verra. J'en ai pour 5-10 minutes, temps de finir ce que je fais. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou alors à demain. Des bisous pour ceux que je ne revois pas. Autrement, à tout à l'heure. Ciao, ciao.